MIPIM UK cette année a eu la première édition. Nous venons de faire, de commencer la troisième journée. Nous avons à date obtenu, je dirais, un bon résultat en termes de participation. Nous avons eu la possibilité de fédérer vraiment l'industrie immobilière britannique autour d'un événement pendant 3 jours. Et pas seulement britannique, parce que nous avons eu aussi pas mal de visites et sous les stands des investisseurs étrangers. En termes de chiffres, nous avons 4500 participants uniques à hier soir, donc c'est un bon résultat pour un premier salon. Et ce qui est intéressant est que 77% de ces participants, c'est la première fois qu'ils venaient à MIPIM. Donc c'est vraiment un marché différent qui complémente le marché traditionnel MIPIM. Et l'autre chose dont nous sommes plutôt fiers est d'avoir une trade show qui est une complémentarité entre Londres et le reste du pays. Et ça, c'était aussi l'autre objectif, qu'avec nos partenaires britanniques, le British Property Federation et le reste des gros acteurs britanniques, on s'était posé au début. Et là, nous avons 60% des Britanniques qui viennent de Londres, qui restent évidemment le moteur économique aussi pour l'industrie immobilière, mais 40% des participants viennent des villes régionales. Et beaucoup de ces participants découvraient le MIPIM et aussi cette façon de faire du business ensemble. Et donc je dirais une première édition réussie, c'est pas à moi de le dire, mais c'est un peu les commentaires qu'on reçoit depuis 2 jours. Donc nous sommes plutôt contents de cette première édition et évidemment on va faire une deuxième, donc ce sera le 21 mai de l'année prochaine, toujours à Olympia, toujours à Londres.